La vie de Jeffersonville, Indiana, 29 novembre 2015. Il est 10 heures. Joseph Branham, 60 ans d'âge, vient d'être élu à la majorité absolue, pasteur de Branham Tabernacle. Une élection qui incarne les symboles forts pour tous les croyants du message du temps de la fin. Depuis l'annonce de sa candidature il y a 3 mois, le monde entier attendait avec impatience ces grands jours. Voir Joseph Branham derrière cette chaire de son père fut un rêve très lointain. Nous avons voulu révéler l'homme discret qui se cache derrière ces personnages emblématiques vers qui toutes les attentions des croyants se tournent depuis son enfance. Qui est vraiment Joseph Branham, cet homme résigné, humble et effacé, dont la venue a été annoncée plusieurs années avant sa naissance. Enfant prodige, les très aimés de son père, en qui la double portion de l'esprit du prophète d'Élie devrait reposer. Profil unique de l'enfant admirable de William Branham, de son enfance bénie à Spoken Word Publication, de la voix de Dieu au pastorat, Joseph Branham, le portrait d'un serviteur dévoué. Né de l'union entre William Marion Branham et Meda Broy, Joseph est le cadet d'une famille de 4 enfants, dont Billy Paul, Rebecca et Sarah. 6 ans avant sa naissance, Dieu parla clairement à son père, « Tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. » Quand il lisait la vie de Joseph, c'est ce qui a fait que il dit 6 ans avant qu'il ne naisse. S'il lisait l'histoire de Joseph, et il se dit, mais quel équipe parfait, cet homme si parfait. Il a étudié Joseph, il dit c'est la perfection. Pourquoi? Parce que quand il dit dans la vie de Joseph, il n'a pas vu à un moment où Joseph a failli. Même pas tromper, même pas mentir, même pas haïr ses frères. Donc, la vie de Joseph est exactement comme la vie de Jésus-Christ. Et fais-moi comment ça plairait. Tellement il a plairé le Seigneur. La vie de Dieu. La vie. Alors il était là vraiment. Il a écouté la voix qui lui parle. Dans notre prédication, il dit que la colonne de fête est venue. Dans notre prédication, il dit la voix. On prend le tout. Alors, comme tu as aimé la vie de cet homme, je te donnerai un fils que tu donneras le nom de Joseph. Alors que les docteurs avaient déjà prévenu son épouse Meda qu'avoir un autre bébé serait nocif pour sa santé, du fait que cette dernière n'a couché que par césarienne. Le médecin appelle frère Branham et dit, ta femme, son bassin est vraiment mince. Alors, fini. Si elle essaie d'avoir encore un enfant, elle va mourir. Moi, je ne sais pas, Dieu m'avait dit, j'aurai un Joseph avec elle. Il dit, non, Branham, si tu crois cette prophétie, cherche une autre femme. C'est un combat. Cherche une autre femme pour avoir ce Joseph avec elle. Et avec ta femme, si elle va mourir. La sœur Meda a couché par césarienne. C'était la manière dans leur famille. Et le docteur même avait dit à frère Branham de ne plus encore avoir des enfants. Il a dit, mais Dieu m'a promis que j'aurai Joseph. J'aurai un fils, je donnerai le nom de Joseph. Il dit, mais peut-être avec une autre femme. Il dit, non, avec ma femme. Quelques années plus tard, Meda Broy accouche. C'est plutôt une fille à la place du garçon promis. Les gens se moquent de frère Branham
et les autres les taxes des faux prophètes. Et après 3 ans, sa femme est tombée enceinte. Et l'enfant, c'était Sarah. En 1951. Alors il y a des mots que... Il dit, tu voulais dire Joséphine? Ou qu'est-ce que tu voulais dire? Tu nous avais dit, Dieu m'a dit que j'aurais... Le prophète aussi, tu ne peux pas le pleurer parce qu'il est la parole de l'âge. Il dit, oh, lorsque Dieu avait promis à Abraham de lui donner Isaac, mais lorsque Ismaël est né, là, de la promesse d'Isaac, Isaac est né. Malgré Ismaël était là, la promesse n'était pas annulée. Dieu m'a dit, j'aurai Joseph. Donc Sarah ne peut pas annuler cette vision. Et quand la fille est née, alors tout le monde dit, ah, ah. Et il y a un monsieur qui a dit, non, frère Branham, tu voulais dire Joséphine. Le prophète a dit qu'il était mort à cause de cette impolitesse. Dieu n'a pas supporté ça. Le monsieur était décédé. Et frère Branham dit que quand Dieu a promis à Abraham que tu auras un fils, mais Ismaël est venu avant. Il dit ça dans la même prédication, les œuvres sont les émissions de la foi. Il dit, mais Ismaël est venu avant. Mais Ismaël n'était pas la promesse. C'est Isaac qui était la promesse. Finalement, le 19 mai 1955, voilà enfin Joseph, l'enfant de la promesse, qui arrive, le bébé le plus attendu de tous. Joseph, mon cœur, tu en as mis du temps. Papa est content de te voir. A lancé laconiquement William Branham la première fois qu'il a vu son fils. Quelques mois après, nous sommes le 24 juillet 1955, les jours de sa consécration. Poussé par l'esprit, frère Branham lâche, Joseph mon fils, tu es prophète. Fin des citations. C'était Dieu qui lui a montré 6 ans même avant sa naissance. Et pendant qu'il est consacré sous l'onction, il a dit Joseph qui est prophète. Or, quand on dit sous l'onction, l'onction c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a dit que Joseph est prophète. Les jours où le frère va consacrer Joseph à l'église au grand tabernacle, il ne savait pas lui-même comme il est né, il a consacré Joseph comme prophète. Avec toi, tu es un prophète, tu es un prophète. Il est clair dans beaucoup de citations, frère Branham, quand il priait pour Joseph, il a dit Joseph. Il dit même le Saint-Esprit a dit que tu es prophète. Et vous entendez les gens faire comme la philosophie, est-ce qu'il est mineur, il est majeur? Non, mais quand Dieu a dit qu'il est prophète, nous n'avons pas besoin de philosopher, est-ce que c'est mineur, est-ce que c'est majeur? Parce que ces mots-là, frère Branham ne les a pas utilisés en parlant de Joseph. Nous devons laisser le message tel qu'il est. Il a dit qu'il est prophète et on croit qu'il est prophète. Full stop. Donc, quelqu'un ne me demande pas prophète majeur ou mineur. Ça, c'est la première chose. Que nous puissions répéter seulement ce que les bandes disent. Donc, je ne veux pas que quelqu'un commence à me demander est-ce qu'il est prophète mineur ou majeur. Ça, c'est la première chose. Mais il est prophète. En grandissant, Joseph aimait les bateaux et les chevaux, jusqu'à demander un jour à son père si Jésus avait un bateau. Une question simple mais inspirationnelle, car cela donna au prophète une prédication. Encore enfant, Joseph commence à voir des visions qui s'accomplissent à la loupe. Voyant la bénédiction qui reposait sur le jeune garçon, les Africains l'ont confectionné une tunique à plusieurs couleurs. Joseph Branham, un enfant exceptionnel et béni, dont beaucoup n'hésitent pas de relier sa vie à celle de Joseph de la Bible. Une similitude de vie sans pareil. Joseph de la Bible, on a vendu à 17 ans. Joseph Branham, d'après ce que j'ai lu de Rebecca, il s'est marié à 17 ans. 17 ans, 17 ans.
Alors Joseph de la Bible avait des enfants, des garçons, et Joseph voilà aussi. Joseph de la Bible, c'est lui qui distribuait la nourriture pour nourrir le monde entier, parce que la famille était dans le monde entier. Joseph Branham aussi, celui qui distribue la nourriture pour donner dans le monde entier la nourriture spirituelle au temps convenable. Vous comprenez, non? Et Joseph de la Bible avait aussi des visions et des songes. De la même manière, Joseph Branham a des visions, a des songes aussi. Mais il faut qu'on parle déjà lorsqu'il avait 4 ans, il avait déjà vu la même blanche qui venait sur lui. Et à l'âge de 5 ans, il a prophétisé l'enfant de Banks Wood. Il dit, papa, j'ai vu l'enfant de Banks Wood venir dans le vélo, et il est tombé, il a eu une grande blessure ici. Et 2 jours après, la chose est arrivée à l'âge de 5 ans. Donc, quelque part, il est vraiment exactement comme Joseph de la Bible. Parce que frère maman a pleuré sur le Joseph de la Bible. Dieu lui a donné le Joseph de la Bible. C'est ça. Mais c'est le bas des personnes différentes. Parce que Joseph dans la Bible, et il a fait des visions, il était spirituel, et il a été élevé à la droite du Pharaon. C'est lui qui détenait le droit de distribuer la nourriture en Égypte. Or, si nous voyons le travail qu'a fait le frère Joseph aujourd'hui par la voix de Dieu, c'est lui qui est en train de distribuer dans la volonté parfaite de Dieu la nourriture, exactement comme le faisait Joseph au temps de Pharaon en Égypte. Donc les gens doivent aussi tirer attention à ce ministère. Joseph a été bénédiction en Égypte pour ses frères. C'est une bénédiction pour les pauvres. C'est un ministère que les gens puissent vraiment tirer attention à ça. Ils vont être bénis. Every believer wanted to be sitting right where you're sitting. Amen. Yes. Because God came, porque Dios vino, sent a prophet, Dios profeta, to call out a bride. Una novia. He restored all things y restauró todas las cosas. We become in, llegamos a ser spoken word children of God. Joseph Branham est-il le remplaçant ou le successeur du prophète Branham? Des réponses à cette question, dont la prédication l'aveugle Bartimée ou encore la reine du Sud. William Branham l'affirme qu'il souhaite de tous ses voeux voir Joseph prendre sa place avec une double portion de son esprit sur lui pour continuer les ministères et faire briller la lumière lorsqu'il sera parti. Il dit, je dois quitter ce monde l'un de ces jours. Donc il faut que tous les prédicateurs, tous les croyants du message puissent penser, frère Branham, est-ce qu'il a quitté comme ça, il n'a rien dit. Et après sa mort, il n'y a rien qu'il a promis. Je dois quitter ce monde l'un de ces jours. Mais je veux le quitter avec un cœur loyal. En faisant vraiment le mieux que je puisse faire pour le royaume de Dieu et aller dans le Amès. C'est de cette manière que je veux partir. Puisse Dieu assister. Et mettre le petit Joseph, mon petit garçon, qui est ici, à ma place, pour continuer le ministère si Jésus tarde. Quand Paul a quitté, c'est Jean qui a pris la place, qui a continué. Quand Jean a quitté, Polycarpe a continué. Et quand Polycarpe a continué, Irénée. Mais dans le message d'après les messagers, c'est Paul qui est messager. Et Irénée est messager. On n'a pas dit que Jean est messager. On n'a pas dit que Polycarpe est messager. Mais dis-moi, ils ont continué le ministère de Paul. C'est la continuité du ministère. Mais il est écrit, l'esprit de vos prophètes est soumis au prophète. Si vous avez l'esprit qui était dans Frère Branham, vous allez vous soumettre aussi au prophète. Vous allez vous soumettre à ce que le prophète a dit. Donc c'est ce que je crois. Bon, j'espère vraiment que beaucoup comprendront ça. Pas de la mauvaise façon, mais il doit comprendre que nous sommes censés, comme ministre, faire respecter ce que Frère Branham a dit. Un prophète majeur dans les temps de William Branham ne peut pas donner une fausse prophétie, ne peut pas donner une fausse déclaration, parce qu'il a dit
les serviteurs de Esav, dans plusieurs situations, que Joseph va me remplacer dans les ministères. Il a soutenu. Joseph va me remplacer dans les ministères. La manière dont nous croyons le prophète Lamana, qu'aujourd'hui c'est par lui que nous avons décidé le Seigneur, et une telle déclaration ne peut pas être prise à la légère. Donc réellement cela est une vérité que frère Joseph dans son ministère, il remplace le prophète Lamana. Le prophète a dit, je sais que lorsque je quitterai la terre, pendant que je partirai, Joseph qui ira, mon père, Charles d'Israël, sa cavalerie, c'est Élie et Élisée, mais là, c'est Branham et Joseph. C'est qu'il prêchera les messages que frère Branham prêchait, parfois l'onction là, ça va l'accompagner, et il prêchera la parole. Et pour moi, je peux dire, c'est un homme humble, il a entendu, donc il a souffert avec cela. Parce que moi, depuis que je l'ai vu en 1986, je sentais que cet homme allait ministrer, tout le monde en avait parlé. Give me a revelation. Dios me dio una revelación. And to understand what Sister Hattie Wright said. Para entender lo que ella había dicho. All she said was, "Is nothing but the truth." Amen. I hope, j'espère, il scribe, il criera l'enfant. My father, the chariot of Israel, the horseman thereof. Joseph aussi criera, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et cela s'est accompli le jour où ce moment avait l'accident. Joseph était dans la voiture de Billy Paul. Hein. Joseph avait 10 ans lorsque l'accident est arrivé. Pendant que Billy Paul a dévié la voiture, Billy Paul est revenu. Lorsque Joseph a dit ça, il a crié « Papa, papa !» Donc « Fada, Fada !» Alors pour moi, il y a pas sensation. Donc frère, vraiment, je sais quelque chose à Billy, à Joseph Branham. Alors ici, pour moi, c'est ça l'écriture dans cette prédication où je trouve quelque chose vraiment de consistant. Pendant que je peux ramener ça dans la Bible, les autres peuvent dire non, comme tous vos parents, si les prédicateurs, ils les méritent. Ça sera un souhait pour que son enfant aussi soit prédicateur. C'est vrai aussi. Mais ici, ce n'est pas un souhait. Ça, c'est une prophétie qui s'accomplisse. L'autre citation pour appuyer cela, dans l'aveugle Bartimée, du 24 janvier 61, il dit: je vais partir l'un de ces jours, mes amis. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a donné et qu'il mette une double portion sur mon fils. Je crois que c'est la première fois que le problème de double portion commence. C'est dans la Bible. Quand il dit partait, Élisée a compté ce misère avec la double portion. Il dit qu'il mette une double portion sur mon fils Joseph, pour faire briller la lumière lorsque je m'en irai. Maintenant, je ne veux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, pour prendre ma place. Donc, place, il y a Branham Yangoyo, il est là. Et puis, quelqu'un vient pour s'asseoir, pour prendre ma place lorsque je m'en irai. Et la citation-là, je l'ai vérifiée en anglais. En anglais, c'est « Take my place ». C'est frère Branham, qu'est-ce qu'on va faire? Amen. We're so thankful. Nous sommes tellement reconnaissants. He's given us this opportunity. Il nous a donné cette occasion. And let us live in this time. Et vivons ce temps-ci, that we can see all fulfilled. Où nous verrons tout s'accomplir. For it says in the days of the voice, car il est dit au jour de la voix, that all mysteries should be fulfilled. Que amen. Tous les mystères seront accomplis. Amen. Amen. He revealed it to his prophet. Il les a révélés à son prophète. Do we believe everything that the prophet said? Croyons-nous que tout ce que le prophète a dit? Amen. Amen. The prophet of God told us. Le prophète de Dieu nous a dit. He said, if you have any questions. Il dit, si vous avez une quelconque question. He said, the answer is on the tape. La réponse est sur les bandes. Amen. 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 That's not my word. Ce ne sont pas mes paroles. That's his word. Ce sont ses paroles. And his word cannot fail. Et sa parole ne peut pas faillir. Amen. 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 Joseph Branham, père de famille, il est marié à la sœur Valérie et ensemble, ils ont deux enfants,
Isaac et Princesse, deux couronnes consacrées pour la cause de la parole. Les désirs de servir Dieu n'a cessé de briller instamment dans le cœur de Joseph depuis sa tendre jeunesse. Après avoir longtemps travaillé avec Spoken Word Publication, Joseph Branham crée en 1981 Voice of God Recordings, un ministère mondial qui a pour mission d'imprimer, traduire et distribuer des prédications du prophète partout dans le monde. Voice of God Recordings est la seule entreprise ayant l'exclusivité de dupliquer et traduire le message de William Branham, comme l'attestent ses documents. Multiplier les cassettes ou les brochures, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas de mal. Mais il faut respecter l'ordre qui a été établi. Et cet ordre-là qui a été établi, vous devez contacter celui qui détient la franchise. Aujourd'hui, celui qui détient la franchise, c'est frère Joseph Branham, qui est détenteur de la franchise. Si quelqu'un veut multiplier les cassettes, il doit d'abord lui demander. Ça ne veut pas dire que tu veux faire une photocopie d'une brochure pour donner à quelqu'un, c'est interdit. Non. On parle à grande échelle pour distribuer des quantités de brochures traduites. Il y a quelqu'un qui est le détenteur, qui doit tout vérifier. Vous devez les consulter. C'est l'ordre établi. Si quelqu'un dit croire le message, il doit obéir à ça. Il doit écouter frère Joseph en matière de la distribution de la nourriture. Nous devons respecter ce que frère Maman a dit. Parce que ce n'est pas Joseph qui a dit ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est frère Maman qui a dit ça dans ses rangées et dans l'ordre de 1063. Ils ont mis l'ordre et ils ont dit, nous voyons que les gens traduisent par-ci par-là. Mais nous devons mettre l'ordre dans la tradition. Et frère Maman a dit ça en 65. Avant de mourir, ils ont mis cet ordre-là. Bon, Joseph ne fait que répéter ce que les bandes disent. Comment on veut envers Joseph? Si Joseph détient la concession, si c'était Billy Paul qui détenait la concession, ce serait Billy Paul. Si c'était le frère Wood qui pouvait avoir ça, ce serait toujours le frère Wood. Il faut avoir les papiers qui vous autorisent ça. Ça, c'est Femme qui a dit ça. Madame, avant de quitter ici, il avait choisi le faisceau de mener les autres. Ce sont eux qui s'occupaient de ça. Et frère Branham me dit même une déclaration sur les problèmes des droits d'auteur, que si vous violez ces droits d'auteur et que c'est lui qui détient la concession, s'il est de mauvaise foi, il peut même vous traduire en justice. Mais nous sommes des chrétiens, on est quand même équilibrés. Et puis frère Joseph n'a jamais acquis quelqu'un. Mais seulement il veut mettre de l'ordre dans ce domaine afin que les pauvres puissent quand même recevoir la nourriture telle que la parole a été prêchée par les prophètes, ma chère. Ce qui est vrai, on doit suivre quand même l'ordre. Traduire, Frère Bram dit, ce message ce sera traduit dans beaucoup de langues. Joseph ne connaît pas toutes ces langues-là. Les autres langues de ces langues elles peuvent traduire, mais qui travaillent en harmonie. Tu vois, on sait que maintenant, vous faites ça, mais quand même, quelque part, on vous gère. Pourquoi? Même si votre argent, c'est bien, on doit vous gérer. Sinon, si c'est les autres, ils sont, on voit ça, non? Tu peux faire pick and pay, votre pick and pay, mais il faut aller toujours à la source. Mais c'est pour toi, mais la source est là, la source aussi surveille. Tu ne peux pas mettre d'autres produits qui n'est pas des pick and pay. Tu comprends? Alors c'est pourquoi, si on ne surveille pas, on aura beaucoup d'infiltrations dans les messages des frères, voilà, il faut que ça soit surveillé. Alors pour moi, je ne vais pas entrer là de comment en force, mais tout le monde connaît ce dans l'église, il voit ça. On a posé la question, Frère Maman répond ça clairement. Il montre qu'on a le droit de concession ici. C'est clair. On ne peut pas toujours justifier et non. Travaillons ensemble. Sous la direction de Joseph Branham, chaque année Voice of God Recordings imprime des millions de brochures du message et y traduit des centaines. Environ 95% de ces matériels est distribué gratuitement à des croyants dans presque tout le pays du monde. Si Joseph donne l'impression d'être intransigeable quant au respect de la franchise,
Il se montre par contre flexible et disposé à travailler et coopérer avec tous, pourvu de ne pas empiétrer à la véracité du message tel qu'est contenu dans le band. Car ces derniers veillent à ce que chaque mot prononcé par Frère Branham soit traduit fidèlement et que chaque brochure imprimée reflète exactement ce que le prophète a dit. Storing food so that you'll have something to eat, so that you'll have something to feast upon. Para que tengan algo con que festejar. Get it on your tape, set in a cool room. Obténganlo de las cintas. Siéntanse en la habitación fresca. Maybe when I'm long ways away, you'll still remember these things are true. Frère Joseph n'a jamais dit qu'il est le seul qui peut travailler. Mais il a demandé plutôt qu'il peut travailler avec d'autres gens qui sont d'accord de travailler avec lui. Donc c'est l'avenir. Pour que le travail soit correct, afin qu'il n'y ait pas de contradiction, c'est un travail où il faut une personne à la tête qui a été commissionnée à le faire. Or, nous savons aujourd'hui que cette personne-là, c'est Frère Joseph. C'est lui qui est maintenant le président de la Voix de Dieu. Et si à lui seul, la Voix de Dieu est en train d'envoyer des messages dans le monde entier, bon, ces hommes-là qui veulent travailler, il ne leur ferme pas la porte. Il est d'accord de travailler avec tout le monde pour que le travail de la correction, de la traduction plutôt, soit correct. Je pense que j'appelle seulement les frères à respecter ça. Ils ont des machines, c'est bien, mais s'ils peuvent travailler en collaboration avec celui qui a créé la concession, même si c'est Frère Joseph Branham, ce n'est pas parce qu'il est l'enfant du prophète, même si ce n'est pas le Frère Joseph Branham, mais respecter ce que le prophète a dit, ça va nous amener au ciel. Il y a même des brochures qu'on est en train de traduire quelque part avec beaucoup d'erreurs. Joseph a écrit une lettre ici. Moi, j'ai la lettre de Joseph. Il a dit non, remettez ces brochures. Nous avons été obligés de remettre toutes ces brochures. Il a dit, j'ai exhorté ses frères qui multiplient ces brochures de travailler avec moi. Frère Joseph dit, il ne peut pas travailler seul. Il ne connaît pas le lingala. Il ne connaît pas les soignants. Comment il va travailler? Mais demain, travaillons ensemble. Et dans un travail, il doit y avoir une tête. Et c'est Joseph qui a la tête pour la distribution de la nourriture. Joseph Branham, distributeur de la nourriture spirituelle, mais aussi prédicateur de l'Évangile. In the lovely name of the Lord Jesus. Isn't it wonderful to greet one another in that lovely name? Amen. Frère Branham a dit qu'il a été appelé. C'est Billy Paul qui n'a pas été appelé à prêcher, mais Joseph est ministre. Et puis je l'ai déjà écouté moi-même à l'internet, j'ai suivi. On lui a posé la question par le frère camerounais, le frère Kanté, je crois son nom, à l'internet. Les gens peuvent suivre ça. On lui a posé la question, mais frère Joseph, il paraîtrait que vous ne croyez pas à d'autres ministères, vous croyez seulement qu'on met seulement des bandes. Frère Joseph a dit non. La première chose, c'est que moi-même, je suis faisais quatre. Donc si je dis qu'il faut seulement mettre des bandes, c'est que j'ai mis quatre moi-même. Ça, c'est la réponse de Joseph Branham. Et Frère Branham m'a dit qu'il est appelé à prêcher. Je lui donnerai la Bible. Vous voyez ça? Donc, pour moi, c'est un ministre comme tous les autres ministres. Mais il avait terminé cette interview-là en disant, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que les bandes aussi, c'est un ministère. J'encourage les pasteurs à faire passer aussi des cassettes de Frère Branham. Il dit parce que je crois aux Éphésiens 4. Il y a des faux Éphésiens 4 qui opèrent de la mauvaise manière. Il y a aussi des vrais Éphésiens 4. Il dit, je vais être dans les vrais. Et j'exhorte les ministres de temps en temps faire passer les cassettes pour que les enfants de Dieu écoutent la voix du prophète lui-même. Frère Branham dit, on lui a posé la question. Frère Branham, est-ce que c'est le message ici, hein? Donc, l'épouse aura-t-elle un ministère? En fait, c'était clair. Il dit, oui, l'épouse a un ministère. C'est celui-ci que vous voyez ici. Donc, c'est mon message. Le ministère qui consiste en apôtre, en prophète
en docteur, évangéliste et pasteur. Voilà. C'est ça l'épouse. Alors, du vivant de Frère Branham, il y avait des réunions de bandes. Tu comprends? Parfois, si vous prenez dans l'ordre dans l'église, qu'est-ce que j'ai dans l'âge de Philadelphie, des révélations de Jésus-Christ, c'est là, je vois les 10 décembre 1960. Frère Branham dit. C'était dans la de Tchatir, ou bien Pergam, ou bien c'est dans la réalité. Demain, j'ai dit, nous aurons réunion, l'écoute de bandes. On doit commencer à telle heure jusqu'à telle heure. Là, les gens viennent, ils écoutent simplement la bande et ils se rendent. Vous voyez, ça c'est en direct. Mais, on n'a pas dit, tous les jours, on va écouter les bandes. C'est pourquoi les ministères des bandes dans les cadres comme une église, ça n'existe pas. Les ministères des bandes est dans chaque assemblée locale. Les ministères des bandes est dans chaque assemblée locale. D'une bénédiction à l'autre, Dieu vient de l'honorer encore une fois, comme pour accomplir les désirs extrêmes de son Père 50 ans après. Le 29 novembre 2015, date inoubliable, Joseph est élu pasteur de Branham Tabernacle, un jour historique, longtemps attendu, savouré et diversement fêté. La nouvelle a été accueillie avec émotion et joie par les croyants du monde entier. Une prophétie qui s'accomplit en toute simplicité. Peu importe qui est contre toi, Dieu, lui, il sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Et papa te verra de l'autre côté du fleuve. J'aimerais passer mon bras autour de mon épouse et traverser les jours. Peu importe qui est contre toi, Dieu lui sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Et papa te reverra de l'autre côté du fleuve. Déclaration de William Branham à son fils Joseph, 5 ans avant son départ à la maison céleste. Une vie, une histoire, il est né pour un but, Joseph Branham, le portrait d'un serviteur dévoué. Son élection à la tête de Branham Tabernacle a été un signal fort pour l'épouse de Christ dans le monde.